On ne le sait pas forcément, mais le recyclage du papier permet d'accomplir de grandes choses. Dans le local de Terre d'Espoir, situé route de Callac à Morlaix, les bénévoles s'affairent toute l'année pour collecter toutes sortes de papiers. Un travail harassant, mais nécessaire pour venir en aide aux enfants du monde. Elle a pour objet de collecter tout ce qui est en papier, c'est-à-dire les journaux, les catalogues, les revues, les livres, les publicités. De façon générale, tout ce qui est en papier nous intéresse. Eh bien, ces papiers, on les trie, on les conditionne, on fait un tri sélectif, c'est-à-dire qu'on met d'un côté les journaux que l'on livre à l'entreprise La Selaouate, que l'on vend à l'entreprise de La Selaouate à Saint-Martin-des-Champs, qui le transforme en ouate de cellulose pour l'isolation des maisons. Et le reste du papier part dans une usine, un groupe papetier en Normandie, à la chapelle d'Arblay, où c'est transformé en pâte à papier pour réimprimer aux journaux, etc. L'argent sert à financer des actions humanitaires en direction de, c'est dans notre objet social, l'enfance en détresse. C'est-à-dire, malheureusement, il y a beaucoup de misère dans ce bas monde, et donc on essaie d'apporter notre concours. Ça se passe de la façon suivante, les ONG locales, on ne travaille qu'avec des locaux, viennent nous voir avec des projets au Sénégal, au Burkina Faso, aux Philippines, à Haïti, dans tous les pays du monde. Ils viennent nous voir avec un projet, et si ce projet correspond à notre objet social, si on sent que c'est sérieux, eh bien écoutez, à ce moment-là, on vote un petit crédit pour accompagner ces actions humanitaires. La dernière collecte, donc celle de 2016, on a fait 750 tonnes. On va simplifier les choses, le papier, on le vend, je dis simplifie, mais on est proche de la réalité, à 100 euros de la tonne. Et parallèlement, on touche une prime, qui est une prime d'État, si je puis dire, qui s'appelle la taxe écofolio. C'est une taxe qui est due par les entreprises qui font beaucoup de publicité, qui est obligée de verser un fonds et qui nous reverse. Donc l'année dernière, l'écofolio, c'était 25-28 euros de la tonne, si bien qu'on a eu l'année dernière une tonne de papier à 120-130 euros. Aujourd'hui, chacun d'entre nous peut apporter son aide à Terre d'Espoir en amenant ses journaux et autres publicités sur les différents sites de collecte répartis sur le pays de Morlaix. Chaque année, une trentaine d'associations, principalement locales et en lien avec l'enfance sans difficulté, bénéficient de l'aide financière apportée par Terre d'Espoir.